Courasien. C'est très, très éparpillé. À peine un tour de complété pour la plupart d'entre eux. Et déjà des traces d'écart se sont formées. 40 longues minutes. Après quoi, sur le coup de 14 heures, dernière épreuve de la journée. Pour nos amis C1H, C2H, c'est-à-dire la crème de la crème. Moi, je suis Jonathan Boisvert, puis ben, je suis bénévole avec Jean-Marc dans le fond pour organiser l'événement. Puis ben, je suis aussi membre fondateur de l'équipe Studio Vélo, qui est une nouvelle équipe à Drummondville, dans le fond, associée avec la boutique Studio Vélo ici en ville, fait que, qui tente de s'impliquer vraiment dans le milieu. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la deuxième course du circuit de Coupe Québec de cyclocross au niveau, dans le fond, au niveau provincial. Fait que dans le fond, les gens qui sont ici, c'est des gens de partout au Québec. Fait que c'est l'épreuve numéro 2. De mémoire, il y en a 6 cette année pour la saison complète. Fait que, à la fin de la saison, il y a un cumulatif. Fait qu'à chaque course, les gens font des points. Puis au cumulatif, bien, il y a comme un vainqueur qui gagne le cumulatif. Là. Fait que c'est ce qu'il y a ici aujourd'hui à Drummondville. Là, dans le fond, le prochain départ qu'il y a là, c'est, ça s'appelle c'est C3-C4. Fait que c'est les hommes. Puis dans le fond, qui sont généralement entre 30 et 50 ans. Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la catégorie, c'est en fonction de ton calibre. C'est pas nécessairement juste une question d'âge. Fait que, puis l'autre départ après, ça va être C1, C2. Là, C1, là, il y a des gens élites là, qui font des Coupes du monde en vélo de montagne ou des courses en vélo de route aussi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cyclocross en Amérique du Nord, particulièrement au Québec, c'est un sport complémentaire. Il n'y a pas tant de gens qui c'est leur spécialité du cyclocross. Il y en a quelques-uns qui commencent à en avoir, mais souvent, ça vient des gens qui viennent du vélo de montagne, des gens qui viennent du vélo de route. Parce que rendu à ce temps-ci de l'année, bien, il n'y a comme plus d'épreuves de route et de montagne. Fait que là, les gens, ils vont vers le cyclocross pour faire, dans le fond, des compétitions qui durent moins longtemps, qui ne prennent pas toute la journée, puis qui sont plus condensés un peu. Là. Là, versus d'autres épreuves de vélo, c'est probablement c'est très accessible. C'est-à-dire que l'épreuve est plus courte, ça dure environ entre 30 et 50 minutes, tout dépendant des catégories. Fait que même des gens qui ont moins d'expérience peuvent le faire pour l'essayer. Puis une catégorie pour ça qui s'appelle une catégorie découverte. Fait que les gens peuvent le faire en vélo de montagne. Fait que même si c'est pas un vélo spécifique, il y a moyen quand même d'avoir accès. Fait que ça, c'est une des choses du sport. Là, ici, Drummondville, ce qu'on a de particulier, c'est le terrain, de la façon qui est faite. C'est, dans le fond, c'est à peu près 3 km un tour de parcours. Puis comme on peut voir, c'est vraiment condensé. Là. Fait que les spectateurs qui sont aux alentours suivent vraiment les athlètes pendant toute la course. Là. Fait que ça, là, c'est vraiment une particularité. Puis tantôt, vous allez voir, là, si vous filmez encore les prochains départs, là, il y a vraiment beaucoup plus de gens encore. Fait que là, il va y avoir du monde partout en même temps. Là. Fait que dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme une course dans la course. Fait que, il y a ceux qui sont premiers, qui jouent un peu pour la gagne, mais ceux derrière, bien, c'est entre eux. Là. Fait que c'est vraiment une dynamique, puis une dynamique qui est vraiment agréable et qui est le fun. Là. Ce qu'on veut, tous les bénévoles qui contribuent à l'événement, bien sûr, tous les athlètes qui ont choisi de venir faire la course, parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de semaine, aujourd'hui, il y a plein d'autres offres de compétition. Il y avait de quoi à Victoriaville, il y avait de quoi dans le coin de Knowlton. Fait que là, on est quand même content. Là. On est, je crois, à 185 inscriptions aujourd'hui. Là. Fait qu'on est quand même satisfait de ça. C'était vraiment un beau parcours à Drummondville. Il y a un petit peu de tout. Il y a des beaux virages
incliné qu'on aime bien. Puis il y a beaucoup de virages rapides aussi, puis qu'on sent bien la grippe là. Fait que c'est vraiment un parcours le fun. J'aimerais faire les 3-4 prochaines manches de la Coupe Québec de cyclocross, mais je vois avec quand ça donne avec l'école puis le travail là. Récemment, cet été, j'ai tout fait les Coupes du monde de vélo montagne. Allemagne, République tchèque, Suisse, Andorre, ouais. Plusieurs grosses courses. Correct, c'est pas ma meilleure saison, mais ça vient d'être, on a eu du fun avec l'équipe, puis on aime toujours ça aller courir en équipe en Europe. Oui, on est une équipe canadienne. Le montagne, on fait les Coupes du monde, puis on représente Pivot Cycle, les vélos Pivot, puis On The Edge, le distributeur canadien. On est 7-8 coureurs de haut niveau de Québec. Oui, aujourd'hui, j'ai une victoire à cyclocross ici à Drummondville, ouais. Oui, c'est une très belle journée, puis c'est le fun de voir le monde ici. Mais en fait, j'ai coursé la course, la catégorie c'est C1, c'est plus regroupé en habileté plutôt qu'en groupe d'âge. Normalement, dans les plus grosses courses, je course dans mon groupe d'âge. Là, aujourd'hui, C1, je coursais avec des élites, des jeunes, des pas mal moins jeunes que moi, plus jeunes que moi, du monde qui pourrait amplement être mes enfants. Mais c'est un très, très bon training, ça part toujours très vite. Mais j'ai quand même terminé 6e, j'ai été 3e dans la course un année, j'ai été quand même assez actif. C'était vraiment le fun. C'était rapide. Il y avait deux gars de l'équipe Pivot qui sont partis. Puis après ça, on s'est fait une course derrière. Puis c'est ça. Là, on était un bon petit groupe. J'ai terminé 6e. L'organisation est vraiment impeccable. Et c'est un parcours qu'ils font quand même assez d'avance. Les gens viennent s'entraîner ici. C'est un parcours qui est quand même digne des très beaux parcours qu'on retrouve dans l'Est des États-Unis. Vraiment un chapeau à l'organisation. Un vélo de cyclocross, ça ressemble un peu à un vélo de route, dans le sens que c'est le guidon avec le drop bar là, qu'on appelle. Donc, mais les pneus, évidemment, tu sais, ça prend pas des pneus de route, là. Ça prend un pneu cramponné. Le standard, c'est 700 par 33. Mais des Coupes Québec comme ça, quelqu'un peut venir s'initier puis le faire avec un vélo de montagne, pas de problème. Ben, en cyclocross, vélo performance, ça va être vélo en carbone avec des roues en carbone, à boyaux idéalement, parce que ça permet de rouler des pressions plus basses, ça mord sur le terrain un peu plus, donc des vélos qui tournent autour de 15 livres, c'est très performant, très léger. Ben, en fait, le conseil numéro un, c'est toujours de s'amuser, se mettre des objectifs, puis essayer de les atteindre avec le plaisir, en ayant du plaisir. La course de Drummond est vraiment difficile. Le parcours, il est vraiment coteux. Puis il est très, très souvent très glissant parce que dans le bas de la côte, je pense qu'il y a de l'eau qui s'accumule énormément, fait que c'est beaucoup de la bouette, puis ça glisse énormément. C'est vraiment pas facile. Puis avec les grosses côtes, c'est vraiment dur pour les jambes. Cette année, mon objectif, c'était juste de réussir à finir une course pas dernier parce que moi, je me suis pas entraîné en vélo, là. Moi, j'ai juste fait de la course à pied. Dans le fond, j'ai fait un ultra trail cet été, fait que j'avais pas le temps pour m'entraîner pour le vélo. Fait que on essaye de faire le mieux qu'on peut avec juste un entraînement de course à pied. Mais ouais, c'est ça. Je pense que dans l'équipe, il y en a qui ont fait des vraiment bons, bons classements et des bonnes courses. Fait que on est vraiment fiers de tout ça. Puis on espère que la prochaine, ça soit mieux encore. C'est notre première année cette année, équipe Studio Vélo. Puis on essaie d'amener le plus de monde possible dans notre équipe pour avoir le plus de fun possible dans nos sorties de route puis cyclocross. Puis c'est ça qu'on cherche, là, le plus de monde qu'on peut. Je pense à Studio Vélo, je pense au Buckhail, je pense à Trek. Dans le fond, on a plein de gens qui supportent, là, ça c'est le fun. La ville de Drummondville là, aussi là, qui nous appuie quand même. Là, fait que on tient à remercier tout le monde, là, c'est vraiment le fun. Puis on souhaite remettre ça l'année prochaine encore. Là. C'est l'objectif.